2 millions de victimes de la grippe depuis le début de l'épidémie et le plan hors sang déclenché jeudi par la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Une mesure qui permet notamment aux hôpitaux de décaler des opérations non urgentes pour libérer des lits. Nous nous sommes rendus hier au CHU de Rouen qui n'a pas attendu la décision de la ministre pour s'organiser. Claire Schaffner et Bruno Bellamy. Après un début de semaine chargé, le flux des malades est maîtrisé dans le service des urgences du CHU de Rouen. Les patients atteints de la grippe, dont l'état nécessitait une hospitalisation, sont répartis dans les différents services. En plus du virus, ces personnes souffrent de pathologies respiratoires et sont d'autant plus fragiles à cause de leur âge, jeune ou avancé. Ici, le plan hôpital en tension a été activé le week-end dernier déjà. Une quinzaine de lits supplémentaires a été ouverte. Là, on est vraiment au pic, enfin en tout cas j'espère au pic de l'épidémie, j'espère parce que j'aimerais bien que ça diminue, de grippe qui est plus forte que sur les deux années précédentes, hein. Les chiffres sont parfaitement clairs là-dessus. Mais de toutes les façons, on a chaque hiver des périodes difficiles entre le 15 décembre et la fin de février. Ça, c'est l'ensemble des patients présents physiquement dans les urgences et ça, ce sont ceux en attente d'entrée. Aujourd'hui, 85 personnes ont été admises aux urgences, ni plus ni moins qu'un jour ordinaire. Il est conseillé, pour éviter de surcharger le service, de ne pas venir sans raison. Si vraiment la respiration devient très difficile, si on a d'autres signes, si on a mal à la tête de façon importante, là, c'est des bonnes raisons de venir aux urgences. Mais pour une grippe banale, le médecin traitant fera très bien le diagnostic. D'autant plus qu'aucun traitement efficace ne permet de soigner la grippe, excepté du paracétamol et du repos. Les médecins rappellent que le meilleur moyen d'éviter d'être contaminé est de se vacciner en début de saison et de toujours bien se laver les mains.